Bonjour, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Nourdine Bensouda, le trésorier général du royaume, pour nous briefer sur les principales orientations du nouveau décret des marchés publics de 22431. Monsieur Bensouda, bonjour. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Notre rencontre aujourd'hui a pour objectif de décrypter les principales orientations du nouveau décret des marchés publics qui revêt une grande importance étant donné que la commande publique représente la locomotive du développement économique et social du pays. À titre indicatif, le budget d'investissement public s'élève à 300 milliards de dirhams pour l'exercice 2023, soit à peu près 20,8% du PIB. À ce titre, ordonnateurs, contrôleurs, décideurs et responsables publics sont appelés à connaître les évolutions réglementaires et législatives du nouveau décret des marchés publics, les insérer dans leur processus d'achat, sachant que l'entrée en vigueur de ce nouveau décret abrogeant le décret 2013 est prévu pour le 1er septembre 2023. De prime abord, dans quel cadre s'inscrit la réforme des marchés publics et est-ce qu'il a été procédé justement à l'évaluation du décret 2013 pour contourner les écueils sur lesquels butent les opérateurs, sachant qu'entre 2013 et 2023, cette période elle a été marquée par plusieurs événements, pour ne citer que les récentes crises qui ont mis en exergue la nécessité de la souveraineté. Je vous remercie pour cette question. Pour bien comprendre le décret des marchés publics, il faut faire un rappel historique qui est nécessaire. La commande publique, depuis le temps, c'est-à-dire fin du 19e, début 20e et puis le 21e siècle, a connu plusieurs évolutions. Il faut dire que l'État, dans le temps, avant le protectorat, achetait comme un particulier. Et puis par la suite, on a construit un système qui a fondé un peu toutes les réformes que le Maroc va voir le jour, qui vont être appliquées au Maroc. Donc pendant le protectorat, on avait quelques principes de passation des marchés publics, où on faisait appel aux opérateurs économiques. Et puis le Maroc indépendant en 1958, dans le DAIR de la comptabilité publique, il y avait une partie sur les marchés publics. Mais en 1965, le Maroc a décidé d'avoir une réglementation spécifique des marchés publics. Et nous allons voir au gré des événements que, à chaque fois qu'il y a un changement de gouvernement, il y a une volonté d'améliorer le texte sur les marchés publics. Donc 65, 76, 76, en même temps il y avait 2003, 2007, et puis par la suite 2013, et nous arrivons à 2023. Et à chaque fois qu'il y a eu une évolution, il y a une amélioration. Il faut dire que la particularité du décret qui va être appliqué à partir du 1er septembre 2023, c'est un décret qui s'inscrit dans la logique, j'allais dire, du renforcement de l'état de droit, de la démocratie économique. À cet effet, il y a des principes que nous retrouvons dans la Constitution, principalement la transparence, la performance, la reddition des comptes, l'égalité des chances. Et ce sont ces principes vous voyez bien qu'ils sont portés par une volonté politique de donner la chance à tous les opérateurs économiques. Et donc ce décret-là est venu donc mettre en œuvre une politique publique. Cette politique publique où il y a une vision économique d'un côté, une vision sociale, une vision environnementale, c'est-à-dire la protection de l'environnement, et en même temps donner des opportunités aux opérateurs économiques. À la différence des autres réformes, cette fois-ci, l'approche a été améliorée. Elle a été améliorée dans le sens où tout le monde a été invité, dès le départ, à participer à ce décret des marchés publics. Nous avons fait des séances d'écoute suite à l'arrivée du nouveau gouvernement. Et donc la décision a été prise le 7 mars 2022 pour initier cette réforme. Il y a eu des réunions qui ont été présidées par le chef de gouvernement et où il y avait tous les ministères les plus importants qui font de la commande publique, notamment l'administration de la défense nationale, l'intérieur, l'équipement, l'éducation, la santé, ministère de commerce et de l'industrie.
et l'équipement, enfin pour ne citer que ces départements. Et tout le monde a contribué d'une manière, j'allais dire, participative. Nous avons travaillé avec les équipes de ces ministères. Nous avons travaillé aussi avec les établissements publics qui sont concernés par ce décret des marchés publics. Et puis, comme il y a un décret qui dit que toute réforme, tout texte doit être mis sur le site du secrétaire général du gouvernement pour consultation, donc ça a été ouvert à tout le monde pour que tout le monde puisse donner son avis, notamment les fédérations, telles que la fédération, le secteur privé. D'abord, la Confédération générale des entreprises marocaines, la fédération, dans la CGM, il y a les fédérations telles que la fédération du bâtiment et travaux publics, les architectes. Il y a aussi les organismes d'évaluation des politiques publiques. D'abord, que ce soit les inspections, telles que l'inspection générale des finances, ou bien la Cour des comptes. Et à côté de cela, il y a le benchmark international. Comme vous le savez, le Maroc a des relations assez diversifiées sur le plan multilatéral, notamment avec la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et l'OCDE. Et donc tout le monde a participé pour essayer d'avoir un texte qui puisse répondre à la demande, j'allais dire, globale, pour d'abord avoir un impact sur la croissance économique et donner la possibilité de créer plus d'emplois. Donc on peut dire qu'aujourd'hui le puzzle est presque au complet et que cette fois-ci ça sera la bonne. En fait, c'est dans tout. Je veux dire, dans la production du droit, ce qu'on appelle la légistique, il y a toujours une évolution qui répond à une vision politique. Les politiques publiques évoluent, progressent, tout ça pour satisfaire les opérateurs économiques et les clients. Ce que je voudrais dire à ce propos, c'est que ce texte-là a vu la participation de tout le monde, mais il n'a pas été fait pour l'administration. Je voudrais rappeler deux choses essentielles. Pourquoi ? Pourquoi ça n'a pas été fait pour les ordinateurs uniquement, mais ça a été fait pour les citoyens et pour les opérateurs économiques. Parce que parfois, certaines réformes, on les mène au niveau de l'administration sans inviter les partenaires. Cette fois-ci, on a pris en considération le partenaire, celui qui va utiliser. Juste pour donner un exemple, une entreprise, actuellement, enfin avant cette réforme, elle avait besoin de connaître la réglementation du marché public de l'État et des collectivités territoriales. Il y a des règlements intérieurs qu'on retrouve dans certains établissements publics. Chacun a son règlement intérieur. Il y a des règlements intérieurs qu'on trouve dans les entreprises publiques. La vision qui a été initiée par le gouvernement et sur laquelle nous avons travaillé, c'est de faciliter la tâche. Et surtout pour les PME. Est-ce que vous imaginez qu'une PME va avoir un spécialiste des marchés publics de l'État, un autre pour les collectivités territoriales, un autre pour les établissements publics, un autre pour les entreprises publiques, et chaque entreprise publique avec son référentiel. Donc l'idée, c'est tout ce qui est administratif doit avoir un seul référentiel. Et tout ce qui est, j'allais dire, ce qu'on appelle les EPIC, les établissements publics ou les entreprises publiques industrielles et commerciales, normalement, elle devrait s'acheminer vers un seul référentiel. Le meilleur, le meilleur qui est utilisé par une entreprise publique, mais qui soit utilisé par tout le monde. Tout ça pour prendre en considération que derrière, il y a un opérateur économique, et cet opérateur économique, pour participer, il ne faut pas que ça lui coûte excessivement cher en ayant des experts pour chaque domaine d'activité. Donc l'idée, c'est l'unification, ou j'allais dire avoir un texte universel. Universel pour l'administration et universel pour les entreprises publiques à caractère industriel et commercial. Donc vous voyez un peu cette vision, et c'est une vision qui a pour but de servir les citoyens. Il y a aussi un autre objectif, si vous le permettez, c'est que c'est une meilleure gestion des deniers publics. Nous mobilisons des ressources au niveau du Trésor, et ces ressources servent à des politiques publiques. Et les dépenses doivent être opérées de la manière la plus efficiente, la plus économique, parce que ce qui est connu en finances publiques, c'est la nécessité de la dépense. On ne va pas commencer à payer plus cher par rapport à ce qu'on pourrait le faire.
Et c'est dans ce sens, par exemple, et peut-être on aura l'occasion d'en parler, où on a initié les enchères électroniques. D'accord. Comme vous l'avez bien dit, Sibyl Soudan, l'un des principaux axes de cette réforme, c'est la transparence. Jusqu'à quel degré la transparence rime-t-elle avec la rationalisation de la dépense publique? Autrement dit, est-ce que cette transparence ne nécessite pas des coûts supplémentaires, entraînant par là un renchérissement de la dépense publique? Alors, vous savez, il y a un côté conception qui répond à une vision politique, il y a un côté opérationnel. Et je crois que tout texte, quels que soient les domaines, droit pénal, droit civil, droit commercial, droit des sociétés, ne vaut que par son application. Et donc c'est au niveau de l'application où il y a un travail essentiel à faire. Et d'ailleurs, le travail que nous avons mené depuis maintenant quelques mois, c'est la formation. La formation des ordonnateurs, la formation de nos comptables, la formation qui est faite au niveau du secteur privé pour qu'il y ait j'allais dire, une meilleure maîtrise des textes réglementaires. Et il faut rappeler aussi qu'il n'y a pas que le décret des marchés publics. Il y a d'autres arrêtés qui vont venir. Il y a ce qu'on appelle, enfin, ce que vous connaissez, c'est les cahiers de charges des travaux, les cahiers de charges des services, et ainsi de suite, fournitures et services. Tout ça, c'est des cahiers, des CCAG, qui accompagnent. Il y a tout ce qui concerne les quotients, et ainsi de suite. Donc, ce côté opérationnel et au quotidien, avec un suivi et surtout avec une traçabilité. Donc les systèmes d'information permettent de connaître les comportements des uns et des autres. Et c'est enregistré. Et c'est important. Et en même temps, de mettre l'information à la disposition de tout le monde. Et c'est pour ça qu'il y a le site où il y a la publication de tous les marchés publics. C'était ça la vision. La vision, ce n'est pas uniquement un système. La vision, c'est pour porter l'information à tous les opérateurs économiques qui voudraient participer. Et non pas faire un appel d'offres dans un journal qui ne se lit pas ou qui se lit, je veux dire, une fois sur 10. Et donc, c'est cette vision-là d'asseoir la transparence, qui est un principe constitutionnel, mais sur le plan opérationnel, d'abord au niveau du texte et ensuite au niveau des systèmes d'information, et permettre aux organes de contrôle de s'assurer, leur faciliter le travail, de s'assurer est-ce que l'appel d'offres a été fait dans les meilleures conditions de transparence. D'accord. Comme on a dit, les dernières années, elles ont été marquées par plusieurs événements, pour ne citer que les crises. Quels sont les apports de ce nouveau décret, justement, pour faire face aux mutations aussi bien nationales qu'internationales? Alors, comme vous le savez, au niveau mondial, il y a une instabilité de l'économie, il y a une instabilité financière, et il y a, j'allais dire, une rareté de ressources d'un côté. Mais de l'autre, il y a une demande énorme sur le plan économique, sur le plan social. Il y a une demande de soutien de la population, surtout avec la cherté des matières premières et puis, j'allais dire, du quotidien. Et donc, nous avons besoin d'une gestion très, j'allais dire, efficiente de la dépense publique. Et ce décret-là, entre autres, permet une meilleure gestion des dépenses publiques, c'est-à-dire acheter la meilleure qualité avec le meilleur prix. Et vous l'avez cité dans votre intervention au départ, quand vous avez dit c'est des masses financières, vous avez parlé de 300 milliards de dirhams. Donc cette masse financière, elle doit être redistribuée de manière équitable, que tous les opérateurs puissent participer, que ce soit les grandes entreprises, les PME, les petites et moyennes entreprises, les toutes petites entreprises, l'auto-entrepreneur, les coopératives. Donc il faut que ces 300 milliards soient injectés dans l'économie et permettent à ces entreprises d'avancer et de pouvoir fournir, soit enfin, participer dans les travaux ou dans les services. Donc il y a un côté économique, il y a un côté aussi d'équité sociale, et il y a aussi le côté croissance économique qui est essentiel. Et il ne faut pas oublier, je dirais, acheter national. C'est un peu cette volonté qui a caractérisé ce décret, c'est la préférence nationale. Aujourd'hui, dans le texte ancien, c'était un maximum de 15%. Aujourd'hui, c'est 15% qui est fixé.
Il y a aussi la possibilité pour, au niveau des services, la préférence nationale pour, je dirais, faire participer des experts marocains quand il y a une entreprise étrangère qui va fournir un service au Maroc. Il faudrait qu'il y ait des experts nationaux avec cette entreprise. Et aussi... À hauteur de 15%. 20%. 20%. D'accord. Et il y a également acheter les matériaux marocains. Et surtout pour... dans les anciennes médinas, parce que là c'est une spécialité. Et d'ailleurs, il y a une possibilité aujourd'hui d'appel d'offres, j'allais dire, ou, à hauteur de 5 millions de dirhams, des consultations directes pour pouvoir faire participer les ma'allems marocains, l'artisanat marocain, parce que pour remettre à neuf des bâtiments anciens, surtout dans les médinas, ce n'est pas tout le monde qui est spécialiste dans ce domaine. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs objectifs à la fois. D'un côté, donner de la possibilité à l'emploi marocain, donner la possibilité à l'entreprise marocaine, donner la possibilité à l'artisanat marocain et d'essayer d'acheter quand, il y a une disponibilité de ces fournitures au Maroc, ne pas les acheter parce que ça, quand on l'achète à l'international, ça impacte notre balance des paiements, c'est des devises en plus qui sortent, ainsi de suite. Donc c'est cette vision. Maintenant, tout le travail qui reste à faire, et qui est le plus important, c'est au niveau opérationnel, et c'est au quotidien, avec un suivi, et avec des évaluations, et avec un reporting qui sert aussi bien pour le gouvernement, pour le Parlement. Je dois dire à ce sujet-là, la spécificité de ce décret des marchés publics, bien que ce soit du domaine de l'exécutif, le gouvernement a voulu mettre et présenter ce décret au Parlement. C'est une première. Même si c'est du domaine exécutif, du pouvoir exécutif, le gouvernement a décidé donc d'informer le Parlement. Il y a eu une séance au Parlement où il y a eu une présentation des dispositions de ce décret, et on a récolté également les commentaires sur ce décret dans le but de l'améliorer et d'être conforme à la vision un peu à la vision politique. D'accord. Vous avez cité plusieurs objectifs aussi importants les uns que les autres, mais qui va veiller à la mise en œuvre de ces objectifs? Ben, je vous ai dit, c'est un travail collectif. Donc, il y a d'un côté une administration qui a préparé le texte. Le gouvernement l'a adopté. Et l'administration qui est à la disposition du gouvernement, qui met en œuvre donc ce texte-là, qui est la trésorerie générale du royaume, avec tous les départements ministériels, les ordonnateurs, les sous-ordonnateurs, les collectivités territoriales, là également les ordonnateurs des collectivités territoriales, pour ne parler que les établissements publics à caractère administratif, doivent veiller à la mise en application de ce texte. D'accord. À côté de cela, il y a le contrôle qui est fait par la Cour des comptes qui voit est-ce que les administrations se conforment à cette législation. Et bien entendu, il y a tous les systèmes d'information qui se trouvent au niveau de la Trésorerie générale. Et aussi, il y a le site au niveau du secrétariat général du gouvernement. Il y a la commission de la commande publique qui veille à, quand il y a des interprétations divergentes ou s'il y a des réclamations de la part des opérateurs économiques. Au niveau du secrétariat général du gouvernement, la commission de la commande publique voit est-ce que le texte a été respecté. Quand je dis le texte, c'est au sens large, c'est-à-dire décret, arrêté, etc. D'accord. Aujourd'hui, dans le nouveau décret, on parle de l'offre la plus avantageuse. En quoi se différencie-t-elle de l'offre la plus basse dans l'ancien décret, celui de 2013? C'est un sujet récurrent. Depuis les différentes réformes sur le décret des marchés publics, on a toujours dit que finalement, il y a des opérateurs économiques
qui cassent les prix ou qui pourraient casser les prix. Et justement, les formules, à la formule actuelle dans le décret, elle permet d'abord d'enlever les extrêmes, ce qu'on appelle les extrêmes, c'est-à-dire une offre anormalement hausse, une offre anormalement basse. Et il y a une formule qui permet de garder c'est ce qui a été toujours demandé, d'avoir le mieux-disant. Le mieux-disant, c'est-à-dire, à la limite, j'allais dire, celui qui présente l'offre la plus sérieuse. Mm-hmm. Parce D'accord. que ni une extrême en termes d'augmentation excessive, ni de diminution, j'allais dire, anormale, mais de trouver quelqu'un qui vraiment, c'est-à-dire essayer de garder les entreprises qui sont aux alentours de ce montant qui sort de cette formule. Et je crois et je l'espère qu'on va pouvoir, avec l'aide de tout le monde, avec l'aide des ordonnateurs, avec l'aide de nos opérateurs économiques, avoir, j'allais dire, d'abord faire des appels d'offres qui soient corrects et une mise en œuvre qui soit transparente, et en même temps que le service public. Parce que, au-delà de la commande publique, le plus important, c'est ce service public qui doit être mis à la disposition de nos concitoyens. Parce que c'est vrai, parfois on prend l'offre la moins disante, mais pas le soumissionnaire, il n'arrive pas à effectuer l'ouvrage faute de moyens, donc finalement ça ne sert à rien de prendre une telle offre. Aussi, parmi les faiblesses de l'ancien décret, en fait c'est la problématique des conflits d'intérêts qui ne traite pas en profondeur. Qu'en est-il du nouveau décret ? Alors c'est un sujet intéressant qui est traité en droit constitutionnel d'abord, en droit pénal, dans le texte des marchés publics, dans le texte qui régit les collectivités territoriales. Et donc, il y a un principe, c'est qu'il faut éviter les conflits d'intérêts. Donc, parmi, j'allais dire, quelques mesures, la première, c'est que quelqu'un qui est fonctionnaire ne peut pas avoir une société qui vient participer à ce marché, à cet appel d'offres. Il y a également, quand une personne n'a pas respecté donc, cet appel d'offres dans le sens où il a participé mais il n'a pas terminé, il ne peut pas venir encore participer une deuxième fois. Et il y a également, parfois, l'administration est obligée de recourir à des bureaux d'études ou à des spécialistes dans un domaine précis. Et donc les personnes qui ont préparé avec l'administration cet appel d'offres ne peuvent pas, bien entendu, participer à cet appel d'offres. Mais tout ça, j'espère que dans la mise en œuvre... Il y a un membre de la commission qui a des liens avec... Là également, le texte le précise. Il est interdit pour ce membre de la commission, par exemple, disons, dans une collectivité territoriale, quelqu'un qui a un intérêt particulier, Exactement. Ne peut pas être dans cette commission. Donc tout ça est encadré juridiquement. Maintenant, il faut veiller à ce que ça soit encadré sur le plan opérationnel et qu'il y ait le contrôle nécessaire par les institutions constitutionnelles. D'accord. La réussite de ce nouveau décret repose en fait sur la dématérialisation de plusieurs opérations d'achat. Quelles sont les actions déployées par la TGR pour rendre le processus d'attribution plus fluide et plus souple sur le portail des marchés publics? Je voudrais rappeler à ce sujet, c'est qu'il y a eu cette période de pandémie et qui a été un accélérateur pour tout ce qui est digitalisation. Et donc nous avons dû gérer pendant cette période tout ce qui est soumission électronique et ainsi de suite, qui a été développé. Et je vous dis qu'à partir du 1er août 2023, toutes les soumissions sont électroniques. Il y a aussi le dépôt des factures qui est électronique. Il y a aussi le site des marchés publics qui évolue. Il y a aussi les nantissements, les quotients. Tout ça, nous les faisons évoluer dans le sens d'une amélioration. Et quand on dit digitalisation, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur la transparence et l'équité des chances. Donc il y a tout un travail dans ce sens, dans le sens de la digitalisation. Il y a également, et nous avons, l'État a gagné énormément quand l'État a mis en place les enchères électroniques. Les enchères électroniques, mais pour des choses qui sont précises.
Par exemple, vous allez acheter des rames, une rame de papier, et ben, la qualité est connue, ainsi de suite. Vous la mettez, vous dites que, par exemple, de 2 h à 4 h de l'après-midi, on va ouvrir les enchères et on va acheter tant de rames de papier. À ce moment-là, il y a les entreprises qui se connectent et qui commencent à faire les enchères inversées, ce qu'on appelle les Inverse. enchères électroniques inversées. Et ça a permis de faire des économies importantes pour l'État et pour les collectivités territoriales, et même pour les entreprises publiques qui sont dans le domaine commercial industriel. D'accord. Justement, en matière de soumission électronique, comment les banques s'y sont préparées en ce qui concerne la caution électronique? Là, nous avons un partenariat, j'allais dire, exemplaire avec le secteur bancaire depuis longtemps sur un certain nombre de sujets. Vous le savez très bien, nous payons pratiquement 1 million de fonctionnaires entre l'État et les collectivités territoriales. Donc, il y a ce qu'on appelle les retenues réglementaires, il y a, tels que les crédits de consommation, les crédits je veux dire, immobiliers, ainsi de suite. De la même manière, au niveau de la dépense, sur la caution dont vous avez parlé et tout ça. Donc, tout ça se fait électroniquement. Et de toute façon, le système bancaire est un système qui est vraiment très bien organisé et il participe avec nous sur toutes les évolutions. Et à chaque fois qu'il y a une évolution dans le domaine ou une demande particulière du secteur bancaire, nous intégrons ça dans ce que nous faisons. L'essentiel, c'est que d'un côté, les banques fluidifient les opérations pour leurs clients et de notre côté, nous facilitons la tâche pour les opérateurs économiques. Et je crois que c'est une dynamique qui est vraiment vertueuse et qui nous permet d'avancer, je dirais, dans le droit chemin. Et c'est assez, je veux dire, c'est assez constructif, c'est assez positif, c'est toujours, bien sûr, ambitieux. Mais le plus important, c'est que les opérateurs économiques s'intéressent davantage à leur production, enfin, à leurs entreprises, à gagner des marchés, à essayer d'être plus compétitifs, à gérer au mieux leur trésorerie, parce que là, c'est un sujet quand même intéressant, celui des délais de paiement. Vous avez vu que nous avons fait des efforts importants Très important. en matière de délais de paiement en ce qui concerne l'État et les collectivités territoriales. Et d'ailleurs, on a eu des réunions avec certaines fédérations pour travailler sur l'amont. Parce que maintenant, quand ça arrive à la trésorerie générale, on connaît la traçabilité quand il y a le service fait, mais il y a des choses qui se passent avant que le service ne soit fait. Et c'est sur cette partie-là que nous sommes en train de travailler avec les différentes fédérations pour qu'il y ait une traçabilité du comportement dans la relation entre le donneur d'ordre ou l'ordonnateur et l'entreprise. Et c'est cette partie-là qu'il va falloir un peu raccourcir. Tout ça pour que, il y ait, j'allais dire, une circulation rapide des flux financiers. Parce que, comme vous le savez, les entreprises privées souffrent avec le retard. C'est-à-dire, c'est les retards accumulés par les unes et les autres qui sont transmis à d'autres. Et du coup, elles sont obligées de recourir au système bancaire pour des crédits. Et c'est ce qui impacte un peu leur marge. Et donc, le but, c'est de contribuer, dans la mesure du possible, en tant qu'administration, À la bonne marche des à affaires. diminuer les délais de paiement. Nous avons parlé de la caution bancaire. Qu'en est-il des autres garanties? Est-ce qu'on pouvons nous attendre à une dématérialisation des autres garanties dans les prochains jours? En effet, je pense que le plus important dans une gestion d'une organisation, quelle qu'elle soit, que ce soit dans le privé ou dans le public, c'est de bien, j'allais dire, escalader les marches une par une et de s'assurer que ce sont des marches qui sont solides et qui nous permettent Que c'est bien rodé. d'aller vers un niveau supérieur. Toujours, la méthode est fondamentale. Et avoir une démarche progressive qui intègre aussi le rythme de l'environnement économique et aussi la capacité de l'administration à s'améliorer. Donc chaque année, on améliore, on essaye d'avancer. Et d'ailleurs, pour citer un sujet qui est quand même assez intéressant pour les citoyens, c'est celui des taxes locales. Nous avons fait un travail avec le ministère de l'Intérieur, notamment la Direction générale des collectivités territoriales, avec les collectivités elles-mêmes, et nous avons mis à leur disposition un système
qui est dynamique, c'est celui de la gestion intégrée des recettes et qui permet à chacun de bien gérer un peu les ressources nécessaires aux dépenses qui se font par la réglementation des marchés publics. D'accord. Est-ce qu'il est prévu d'instaurer des passerelles ou une communication entre la DGI Simple et la TGR justement pour remédier pour plus de transparence et faire face à la fraude fiscale? Là, vous allez sur un champ qui n'est plus le mien depuis très très longtemps. Mais il y a une coopération exemplaire entre la DGI et la Trésorerie générale, notamment en matière de recouvrement. Vous le savez que la taxe professionnelle aujourd'hui, elle est récupérée par, en termes de recouvrement, a été récupérée par la DGI. Donc, on a donné toutes les informations à la Direction générale des impôts. Et la taxe d'habitation, taxe sur les services communaux, la Trésorerie générale a récupéré l'assiette. Et donc, nous communiquons, nous travaillons ensemble. La dernière disposition de la loi de finances 2023, où le gouvernement a décidé de faire une retenue à la À la source source. en ce qui concerne les paiements qui sont effectués par l'État et les collectivités territoriales, eh bien, il y a eu une mise en œuvre qui est faite en parfaite coopération avec la DG, parce que vous le savez, comme nous sommes des payeurs, nous sommes des comptables, il faut prélever la retenue à la source pour un certain nombre d'intervenants, de ceux qui participent au niveau de la commande publique. Donc vous voyez qu'il y a un travail aussi de précision au niveau des informations. Je pense par exemple pour la taxe d'habitation, là il y a la distinction entre ce qui est habitation principale, habitation secondaire, location, et toutes ces informations sont remises à la Direction générale des impôts pour qu'elle puisse gérer l'impôt sur le revenu, par exemple, s'il y a des locations pour appréhender le revenu foncier. Une dernière question avant de clore cet entretien, c'est par rapport à l'Observatoire de la commande publique, dont l'entrée en vigueur est prévue pour le 1er septembre 2023. Est-ce que c'est juste un hasard du calendrier, sachant que le nouveau décret également est prévu pour la même date, ou est-ce programmé d'avance? En fait, j'allais dire, la réforme des marchés publics, elle est plurielle. Il y a plusieurs aspects dans cette démarche ou dans cette réforme. Il y a des textes qui se font. Il y a un côté système d'information. Il y a aussi un côté observatoire. Observer, finalement, c'est quoi? C'est de voir un peu ce qui se passe. Comment observer les comportements. Et cet observatoire, il va servir d'abord pour faire du reporting au gouvernement, pour connaître comment s'opère la commande publique. De l'autre côté, il va être à la disposition de la Cour des comptes pour savoir aussi qu'est-ce qui se passe. Et aussi, ça permet à l'opinion publique, que les opérateurs économiques sachent exactement comment fonctionne la commande publique. Donc, à chaque fois qu'on a mis des systèmes, ou plutôt un observatoire où il y a toutes les informations, ça permet d'évaluer. Parce que pour évaluer, pour mesurer, il faut avoir d'abord une information précise. Donc l'idée, c'est d'avoir des informations précises sur la commande publique au sens large, et que à partir de à partir de cet observatoire, les corrections peuvent être apportées. Soit on va constater qu'il va falloir réformer le texte ou l'améliorer, ou les textes, améliorer aussi la gestion, améliorer l'évaluation, et aussi de mesurer est-ce que finalement cette commande publique profite à toute la collectivité. Merci beaucoup, Monsieur Mensouda, pour toutes ces précisions et cet éclairage sur l'importance du nouveau décret des marchés publics qui va rendre la commande publique, si toutes les conditions sont réunies, plus efficace, plus efficiente et aussi améliorer l'indice ICOR qui reste quand même élevé au Maroc comparativement à d'autres pays émergents, pour ne citer que le cas de la Turquie qui, avec un taux d'investissement similaire, soit 20% du PIB, elle réalise un taux de croissance supérieur à 6% au moment où le Maroc, avec un taux d'investissement pareil, réalise un taux de croissance 3,5% bon an, mal an. Merci encore, Monsieur Bensouda. Merci beaucoup, Je madame. rappelle, Monsieur Bensouda, vous êtes le trésorier général du Royaume. Merci, madame. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.